L'histoire d'Alpha One est vraiment sombre, car avant que la société héroïque arrive, avant que les vilains soient ou même que les héros existent, il y avait la naissance des Altères. Et aujourd'hui, on parle de cette histoire, de la naissance d'Alpha One qui est étrangement dérangeante, extrêmement dérangeante. Et bien sûr, plus que ça, est-ce que Alpha One aurait du bon en lui, même si l'histoire qu'on va suivre est très très sale? Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 407 de My Hero Academia, orphelin paranormal. Et ça faisait depuis très longtemps que j'avais pas été aussi hypé par un chapitre de My Hero Academia. Vraiment, c'est un extrêmement grand plaisir de suivre ce chapitre qui nous retrace l'histoire d'Alpha One, mais avec des dessins au ricochi et vraiment à fond. Il le disait, il voulait faire un manga d'horreur par la suite et il a commencé là, très clairement. On le voit, même si ça se voit qu'il est fatigué, étant donné que certaines pages ne sont pas terminées si on regarde à fond, même la dernière page, quand tu regardes tout en dessous. Mais quoi qu'il en soit, on nous lâche un des meilleurs chapitres de My Hero Academia et je pense qu'il satisfera énormément de personnes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car chaque semaine, on parle de My Hero Academia jusqu'à la fin du manga. Et commençons tout de suite par la naissance du mal. Parce que oui, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que My Hero Academia c'est Disney, tout le monde est joyeux, tout se passe beaucoup trop bien. Et ben non, ce chapitre est flippant. C'est un chapitre d'horreur, la naissance d'Alpha One qui est née d'une mère prostituée SDF qui semblait même alcoolique, avait une maladie de la peau et s'était même pas rendu compte en réalité qu'elle était enceinte. Elle sait pas qui est le père, elle sait même pas quand ou comment c'était arrivé, mais c'est au bout de 8 mois que voilà, elle s'en est rendu compte et elle est morte en donnant la vie à ses deux jumeaux. Vraiment une vie triste, une vie terrible et quelque chose qu'on ne s'attend pas à lire en fait dès le début du chapitre. Donc quand on parle de My Hero Academia, et ça va aller de pire en pire parce que le glow continue, qu'on te dit que les rats auraient pu manger ces bébés, cette mère, mais donc ils ont été emportés par la rivière et c'est là que All For One et son petit frère Yuichi ont grandi, des bébés comme ça, laissé à l'abandon. Paye ton ambiance, Rikoshi, c'est lourd ça. Ils ont grandi, sauf que depuis le début, All For One était bien particulier, étant donné que, certes, son frère était plus petit, mais si c'est le cas, c'est parce que lui, depuis sa tendre enfance, même à l'état embryonnaire, prenait tout. Tout ce qui était devant lui, il le prenait, il s'en saisissait, car pour lui, ça lui appartenait, jusqu'à prendre tous les nutriments qui devaient servir même aussi à nourrir son frère. Et t'as une des images les plus dérangeantes, une des cases les plus dérangeantes que j'ai vues même dans un manga, avec ce bébé All For One qui est en train de téter le sein de sa mère morte et qui regarde avec un regard... Vraiment, Ricochet, lâche ton manga d'horreur. Et bien sûr, il avait cette capacité de prendre les altères, et c'est ce qu'il aura fait même à sa mère inconsciemment. Donc, sa maladie de la peau était en fait un alter, les ronces qu'on le voit utiliser. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, là, alors qu'on trouve un All For One en ce moment dans le manga, dans cette bataille finale, qui donc est rembobiné, on le voit obtenir des altères qui peut-être ils s'en étaient débarrassés puisque on le voit pas briller tout le temps. Donc on découvre que cet alter qu'il utilisait, ces lianes avec des pics, ces ronces ou je sais pas quoi, donc c'était l'alter de sa mère. Il s'en est servi pour tuer des personnes quand il était enfant et saisir tout ce qu'il avait à saisir, tout ce qui ne lui servait à rien, tout ce qui ne lui appartenait pas, ne méritait pas d'exister. C'est ça la philosophie d'All For One, un personnage profondément dérangeant. Et avant de parler de la société de My Hero Academia tout entière, avant donc la naissance des altères, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi lors de ce chapitre, donc arrêtons-nous un petit peu sur le personnage d'All For One, parce que c'est vrai, c'est super intéressant d'avoir fait deux des jumeaux Yuichi et All For One, découvrir que le One For All et le All For One, donc
c'était deux jumeaux qui ont donc vécu la même vie, parce qu'on pourrait se dire que oui, c'est parce qu'il a eu une enfance terrible, il a vécu dans la rue, il avait rien, qu'il est devenu mauvais, mais pas du tout. Je vois bien que Yoichi n'a pas grandi de la même manière, et même si on peut penser en réalité que c'est dû à son alter, et c'est peut-être le cas, donc que son alter, étant donné que c'est un alter qui fait qu'il prend les pouvoirs des autres, bah ça a peut-être modelé sa personnalité dans ce sens-là, de la même manière que Toga, vu qu'elle avait besoin de sang, en fait son pouvoir, en fait sa nature même, c'était donc d'ingérer du sang, bah elle commençait à ingérer le sang d'oiseau, de ses camarades de classe, voilà, et ça l'a mis au bord de la société. Bah, on pourrait se dire que All for One, voilà, c'est juste à cause de son alter. Mais bon, c'est là où en réalité, en vrai, un alter, il devient ce qu'on fait de lui. C'est vrai. Shisaki, donc overall, il aurait pu devenir un des plus grands médecins de My Hero Academia. Non, pas du tout. Il a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour la mafia, pour faire le mal, bien sûr, pour combattre tout le monde, alors que c'est un mec qui pouvait réparer et même fusionner toutes les cellules de quoi que ce soit, tu vois, genre vraiment il aurait pu tout faire pour soigner les gens, et All for One de la même manière, peut-être qu'il aurait pu enlever donc des pouvoirs aux gens juste pour le bien et même en transmettre à d'autres qui en avaient besoin, mais non, il a décidé juste de tout saisir. Il était mauvais depuis le début, et c'est ce que ce chapitre nous montre. Horikoshi, il te parle quand même d'un bébé qui était arrogant, on te parle d'un bébé, mais le bébé était déjà mauvais. Et dans cette société qui venait de découvrir les haltères, alors ça fait du mal. Et justement, parlons-en donc du chaos de la société pré-héroïque. Parce que vraiment, c'est une folie de voir ça. Qui n'a pas rêvé de voir le flashback d'All for One, mais plus que ça, le début du monde de My Hero Academia. Comment tout s'est installé et on le voit aujourd'hui. Limite, franchement, je pourrais avoir un manga juste sur ça, que je serais ultra content, parce que même voir cette ambiance qui est malsaine, on dirait en fait une histoire post-apocalyptique, une histoire de zombies, en réalité ce monde où les haltères apparaissent et tout le monde a peur, parce que ces haltères, ils étaient considérés donc à l'époque comme une maladie, un gène mutant, même quelque chose qui n'était pas considéré comme humain, voilà, peut-être l'évolution de l'espèce humaine ou autre, quelque chose de très peu donc discerné à l'époque, qui faisait peur à tout le monde, et c'est pour ça que la société, elle est totalement partie en vrille, avec la naissance du bébé lumineux qui était censé depuis le début de la série, donc on nous l'avait dit, être le tout premier alter de My Hero Academia, la première apparition, en fait ça c'était juste la version officielle, parce que les alters étaient apparus petit à petit, voilà, comme la génétique le fait, c'est pas à un moment précis que tout se met en marche et que tout le monde se met à évoluer. Non, voilà, il y a des gens, même des bébés en Inde, une cinquantaine qui possédaient déjà des haltères avant le bébé lumineux. Et lorsque le bébé lumineux est sorti, on a eu plusieurs cas qui se sont donc officialisés, que ce soit donc une personne qui fait de la glace, hein. La femme qui fait de la glace, on l'avait déjà vu, et peut-être qu'elle fait partie de la famille de Rey, donc de la mère de Shoto, vu que la glace, voilà, cet alter, on a appris même que parfois ils se mariaient entre eux parce que c'est une famille noble et compagnie. Donc oui, peut-être que cet alter de glace, il est là depuis bien longtemps et que c'est son ancêtre, juste un petit clin d'œil ou pas du tout. Mais c'est sympa en tout cas. C'est une folie de voir ça, la société est totalement en panique. Tu vois des gens qui sont habillés comme si il y avait un énorme virus qui traînait dans l'air en train de rechercher je ne sais quoi, peut-être pour tuer même des gens qui ont des alters, je sais pas. Mais lorsqu'ils tomberont sur l'enfant, donc All for One, mais purée, qu'est-ce que c'est flippant. C'est vraiment, encore une fois, une des pages, et c'est ce chapitre qui est fou, donc avec les pages les plus marquantes de My Hero Academia, peut-être. Oui, cet enfant All for One qui les regarde et qui va juste les tuer d'un coup. Cet orphelin qui aura pris tout ce qu'il pouvait prendre. Chaque menace qui est devant lui est éliminée si ça ne lui apporte rien. Tu vois les gens horrifiés face à All for One et son frère, il essaye de lui dire d'arrêter alors qu'il se prend juste un gros kick parce qu'il n'a pas le droit de parler car il est juste la chose d'All for One. Et ça, c'est à la fois extrêmement flippant et ça montre aussi peut-être qu'ils avaient raison d'avoir peur de l'évolution donc et même de l'apparition des alters, parce que peut-être que les alters n'étaient pas mauvais en soi, mais certains individus
l'était réellement. La vraie naissance d'All For One, parce qu'il n'a pas réellement de nom à ce moment précis, c'est juste ce garçon, et d'ailleurs étrangement Yoichi il a un nom et on dirait qu'il est un peu mieux habillé, donc peut-être qu'il fait attention à ça, peut-être qu'il aurait été recueilli par quelqu'un, je sais pas, mais dans tous les cas, ce sera lorsque Yoichi sera en train de lire des comics, parce qu'il a eu du mal à apprendre à lire, bien entendu, vu qu'ils n'ont pas une scolarité normale, je pense, en vivant dans la rue, et c'est pour ça qu'il s'intéressait aux comics avec des dessins qui... donc, était hyper explicite, et en lisant Captain Heroes, voilà, il a vu ce message « One for all, all for one », sauf que son frère, All for one, donc, s'en est saisi pour faire le mal. Il s'est dit que les vilains, c'était un truc de fou, c'était ceux qui pouvaient tout avoir, tout posséder, et c'est le mec qui comprend rien en fait, All For One. Il a compris totalement la morale inverse. Gloire, puissance, pouvoir, il voulait tout. Et la chose qui le représente le mieux, qu'il était mauvais, donc c'est qu'il s'est attaqué même au bébé scintillant, le bébé brillant qui avait grandi et qui était devenu quelqu'un qui essayait de pacifier la société en montrant la lumière, hein, littéralement, aux gens qu'ils n'étaient pas dangereux ou autre. Bah, il est venu. Il l'a tué, il lui a volé son alter. Et c'est complètement fou, et ça montre à quel point il est dérangé dans le sens où, bah en fait, cet alter ne sert à rien, tu vois, à part briller. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cet alter? Il l'a juste pris, car le bébé brillant avait des gens qui le suivaient, avait donc du pouvoir, et il s'en est saisi, même si ça ne l'intéressait pas. C'est ça, le All For One. Et c'est même juste hyper symbolique qu'il ait pris pour nom All For One, le nom qu'il a donné à son alter, dans le sens où il n'a pas besoin d'un nom, limite, même si plus tard on apprendra qu'il s'appelle Shigaraki, je ne sais pas c'est quand qu'il a décidé de ce nom, mais ça veut dire qu'il se définit par son pouvoir. C'est ça, justement, sa raison d'être, vraiment le pouvoir. Et donc parlons du moment qui l'a fait vriller, Yoichi et All For One, et peut-être qu'il a encore un bon fond, ça reste encore à prouver, mais parlons-en quand même. Parce que si Yoichi restait à ses côtés, c'est que bien sûr les deux ont grandi ensemble, mais surtout il avait encore foi en son frère pour un geste simple en fait. C'est juste que quand ils étaient bébés, All For One lui a tenu la main. Vous m'avez entendu. C'est terrible hein, parce que l'espoir il est minime. Le mec est peut-être gentil, m'a tenu la main au bout d'un moment. Mais il tue beaucoup de gens. Ouais, Yoichi croyait en lui. Hein. Il a essayé en tout cas. Le chapitre se terminera sur un moment bien particulier parce que si la semaine dernière on nous parlait justement de Kudo, donc le second utilisateur du One for All, celui à qui Yoichi a transmis son pouvoir, là on voit le point de vue d'All For One. Donc son frère qui était enfermé, qui a été sauvé par Kudo, et les deux qui se sont enfuis. Et à partir de ce moment-là, si quelque chose qui lui appartient essaye de se rebeller, si donc quelque chose même ne lui appartient pas du tout, sans aucune utilité, alors il peut s'en débarrasser. Et on dirait que c'est ce qu'il aura fait alors que les deux se tenaient la main pour s'enfuir. Et voilà, il a peut-être mis fin à la vie de son frère à ce moment-là. Reste à voir si le flashback continuera la semaine prochaine. Il y a peut-être une note d'espoir à garder dans un certain sens en se disant que, bah justement, All For One, peut-être qu'il avait mal compris ses sentiments et ce qu'il avait énervé, c'est pas que son frère soit avec un autre pote, mais c'est que réellement son frère, justement, ne voulait plus le suivre, que c'était peut-être la seule personne qu'il aimait véritablement. Ou peut-être pas. Et de toute manière, est-ce qu'on a besoin d'une rédemption pour All For One? Alors que ce personnage est mauvais depuis le début. C'est le bébé arrogant qui l'a tué énormément de personnes. Je sais pas, je pense pas. Mais ce serait quand même intéressant qu'on ait un petit développement de sa part. Et ça explique même pourquoi, en vrai, ce chapitre, il est comme ça avec Shigaraki. Étant donné qu'il l'a élevé pour se saisir de son corps, se saisir de sa haine. Et de toute manière, s'il considère depuis qu'il est enfant que tout ce qui est devant lui, il a le droit de le posséder, bah c'est tout à fait normal. Et je voudrais revenir sur un dernier truc, c'est la symbolique des mains dans My Hero Academia. C'est extrêmement fort, justement, de voir que Yoichi croyait encore en son frère, car il lui avait tendu la main, tenu même la main, que donc ce qui a fait vriller All For One, c'est de voir que son frère donc se faisait tenir la main par Kudo, et bien sûr les mains dans My Hero Academia, ça représente ces liens
entre les différentes personnes. Et c'est ces liens qui font toute la différence et permettent de surmonter les plus grandes épreuves. Bien sûr, comme on l'aura vu, donc avec Deku et Bakugo qui se sont tendus la main pour affronter leurs plus grands adversaires et plus que ça, sauver All Might, mais c'est aussi à double tranchant, donc aussi les mains qui peuvent emprisonner une personne comme Shigaraki, ses différents liens entre guillemets qui l'ont empêché d'utiliser pleinement son alter. Et est-ce que c'était mauvais, est-ce que c'était bien, bah, ça dépend si t'es un héros ou t'es un vilain, mais je trouve ça super intéressant de voir que plus que donc des dessins que Horikoshi sait faire, parce qu'il dessine extrêmement bien les mains, il y a toute une symbolique derrière. Quoi qu'il en soit, ce chapitre aura marqué ma lecture, je vous le dis, de My Hero Academia. Et je pense que la vôtre aussi. Le ton est totalement différent de ce qu'on lit d'habitude dans My Hero Academia. Et purée, ah, c'est bon. Mais bon, globalement, le chapitre 407 de My Hero Academia en revient aux origines. Les haltères sont une mutation qui ne viennent pas du bébé brillant, mais sont bien apparus avant partout à travers le monde. Et alors Call for One, son frère, sont nés d'une mère morte, bien que les haltères ne venaient que d'apparaître, la société en avait peur, et elle avait peut-être raison, enfin pas entièement, puisque ce n'était pas les haltères, mais bien un individu qui allait la faire sombrer, celui qui même bébé n'a rien laissé à son frère, celui qui estime que tout lui appartient, celui qui a tout pris jusqu'au premier halter, voulant briller, tout obtenir et tout avoir. Mais All for One a perdu son frère et pour ça, il a maudit le second possesseur du One for All qui l'a sauvé de sa prison et ceux qui ont continué de transmettre cet alter. Car du plus grand des vilains est paradoxalement né le plus grand des héros.